votre nom Quoi, t'es P.O.I. Et votre prénom Gérard. C'est pas très agréable. Non, non, mais... Ça va pas, vous levez la main, mais vous ne pas la main. Ok. Fatigué, c'est tout. Niveau respiration, ça va mieux. Difficulté. Il ne le met pas ou alors il. Une fois qu'on a fait les contraintes et le prélèvement, on va bien sûr évaluer comment elle se lave les mains. Donc là, on lui a demandé de nous montrer. Bien expliquer le port de masque, que c'est 4 heures et qu'il faut changer. Bien aérer, aérer donc, du coup, le domicile. Du coup, les frères et sœurs, éviter les contacts, hein, attendre le résultat et voilà. Soit leurs conditions sociales leur permettent de s'isoler à domicile. Et donc, dans ce cas-là, les patients restent à domicile. Soit leurs conditions sociales ne leur permettent pas un isolement à domicile. Et donc, des solutions d'hébergement sont proposées à ces patients-là. Solutions d'hébergement immédiates avec... des solutions également de transport immédiat vers les hôtels. Entre J7 et J10 pour prendre des nouvelles et voir un petit contact 3 était positif. Donc c'est pour ça que. Pour l'instant, les principales personnes testées cas contact sont des cas contacts intrafamiliaux. Mais nous étions en période de confinement. Avec la levée du confinement, il se peut que nous ayons des cas contacts liés au travail, à des amis. Voilà, donc les enquêtes vont probablement s'élargir avec la levée du confinement. Le but au niveau de la santé publique, c'est vraiment de casser les chaînes de contamination, donc d'identifier des clusters pour voir s'il y a des cas et d'identifier tous les contacts qu'on peut avoir.